Plusieurs chantiers majeurs sont en cours à Saguenay. À Chicoutimi, des travaux de réaménagement débutent sur le boulevard Talbot, entre les rues des Roitelets et des Saguenéens, et se prolongeront jusqu'à la fin septembre. Poursuite également des travaux d'infrastructure sur la rue Labrecque et une portion de la rue des Clairons. Du pavage se fait également sur le boulevard de l'Université Est, sur les rues Morin, Roussel, Joliette et d'Angoulême. Des travaux se tiennent également dans certaines rues du parc industriel. De plus, des travaux d'aqueduc entraîneront une entrave à la circulation sur les rues des Roitelets et des Champs-Élysées. Dans l'arrondissement de Jonquière, ralentissement de la circulation en raison de travaux de pavage sur le boulevard Mellon, la rue Saint-Dominique, les chemins Saint-André et Saint-Benoît. Des travaux d'infrastructure sont en cours sur la rue Sainte-Catherine et d'autres débutent sur la rue de Montcalm. Notez également que des travaux d'aqueduc occasionneront une perturbation de la circulation dans le carré des Vis. Notez aussi que l'intersection des rues Sainte-Famille et Legendre, dans le secteur Kénougami, est toujours fermée en raison de travaux. Dans les trois arrondissements de Saguenay, se poursuit aussi le pavage des bris d'aqueduc survenus au cours des derniers mois. De plus, le nettoyage du réseau d'aqueduc est en cours pour les secteurs de Chicoutimi et Jonquière, et il se prolongera sur quelques semaines encore. Soyez vigilant lorsque vous faites votre lessive et, en cas de besoin, laissez couler l'eau quelques minutes pour qu'elle retrouve sa limpidité. Enfin, plusieurs parcs font l'objet de réaménagements, dont les parcs Murdoch, Saint-Antoine et Saint-Joachim à Chicoutimi, les parcs Saint-Laurent et de la Charente à Jonquière, le parc Mars à la Baie, le parc Nazaire-Girard à la Terrière, ainsi que le parc de planches à roulettes de Chibcha. N'oubliez pas que certains des travaux sont sujets à changement selon les conditions météo. Plus de détails sur le site web à l'adresse ville.saguenay.ca.